Je défie tout rappeur ici à me défier sur ce FIFA, je suis plus fort. Le son qui me ressemble le plus personnellement, c'est Today. Parce qu'en vrai, de vrai, hormis tout ce côté un peu foufou, je suis une personne réservée, tu vois, et assez intime, donc Today, c'est mon son, quoi. Donc ça tire au ralenti. Dieu merci, j'ai fait mon bif today. Dieu merci, je suis en vie today. Déjà, le jour où je l'ai enregistré, c'était un jour où j'avais appris une nouvelle assez importante pour moi. Donc du coup, parce que j'arrive souvent au studio de manière spontanée. Je prépare pas des textes à la maison, etc. C'est pas trop mon genre. Et ce jour-là, en fait, j'avais senti que je devais un peu plus m'ouvrir. Et donc j'étais avec Siméon, un compositeur de la mairie, et mes potes. Et je leur ai dit que j'avais envie de parler. Et il a fredonné la mélodie de l'instru sur son piano. Et j'ai senti que je devais me dévoiler, me livrer. Et je n'osais pas écouter le son, en fait. Parce que c'était la première fois que je faisais un truc assez profond. Et avec du recul, là, j'ai pris du recul. Je trouve que c'est un morceau... C'est le meilleur morceau qui pourrait me décrire qui est actuellement, en fait. Mais ouais. Comment tu décrirais du coup, toi, ton univers musical? Parce que t'as un univers qui est quand même assez riche par rapport à ce qu'on a vu, tes clips, etc., les textes, les lyrics aussi. Si je devais décrire mon univers, c'est lié à ma personnalité. Je suis à la fois fou, à la fois calme, à la fois très ambiance, à la fois aussi très posé. Donc c'est un peu un univers déjanté, tu vois. C'est vraiment en mode... Vas-y, d'un côté, on peut passer du coq à l'âne rapidement, tu vois. Ouais, moi j'ai mis justement, c'est cartoonesque, ego trip, humour et engagé. Ouais, fort, fort, fort. C'est juste, c'est lié à ma personnalité en plus, donc tu vois, il y a beaucoup de second degré dans ce que je fais. Et beaucoup de, vas-y, on se prend pas la tête, mais ça reste réel, tu vois. J'ai une nouvelle lock, j'ai un nouveau glock, me balade. Je serais Candy Shop de 50 Cent. Il y a beaucoup de sucreries et beaucoup de goûts divers, en fait. Qu'est-ce que t'entends par là? C'est le clip qui m'a le plus marqué dans ma vie, je pense. Parce que je crois que j'avais 9 ans et je vois le mec arriver. Donc, il commande un McDo ou je sais pas quoi. Et il rentre dans le McDo et c'est un autre McDo, tu vois quoi. Et on voit beaucoup de filles qui... Enfin, c'était le clip où j'ai vu le plus de femmes dans ma vie, je crois. Si j'étais une femme, je serais Rihanna. Pourquoi? Parce que je la trouve trop charmante. Je pense que Rihanna peut tout avoir dans la vie, je crois. Genre, je pourrais rien lui refuser si c'était ma meuf, tu vois. Ouais, mais moi, je te parle de toi, si t'étais une femme. Je te dis pas si t'avais une femme. Ouais, mais donc, j'aimerais être à la... Non, en fait, déjà, j'aimerais pas être une femme, parce que je... Non, mais si, pour répondre à ta question, je serais Rihanna pour manipuler les hommes. Elle est vraiment trop forte. Je la trouve trop puissante. Mais elle est puissante, hein. Quand tu vois sa carrière, tu vois ce qu'elle fait dans le monde de la mode, etc. Fort, la meuf, elle a même plus besoin de faire des albums. Ouais. Mais son charme, il est trop. Il est de trop. Rihanna. La son de mon enfance, premier Gaou. C'est vrai? Moi, ouais, c'était moi, je te jure. Grave. Je tapais des pas et tout dessus. Ouais, premier Gaou, c'est l'hymne national de l'Afrique, je crois, tu vois. C'est l'hymne, premier Gaou. Dans toutes les fêtes, on entendait premier Gaou. Que tu sois congolais, sénégalais, peu importe. Premier Gaou, ça nous a bercé. Pour moi, après, je suis fort rap US, donc je dirais l'album de Migos Culture, Culture 1. Je trouve cet album, il a modernisé le rap, tu vois. Parce que c'est un album riche en flow, riche en musicalité. Et la trap, elle a changé aussi. Donc c'est vraiment ouvert au grand public. Et franchement, c'est un album qui m'a... Je connais tous les titres par cœur, tu vois, carrément. C'est vraiment ce groupe-là qui m'a donné envie de vouloir essayer de faire carrière. Quand je les vois, j'ai l'impression que je suis le quatrième membre, tu vois. Donc c'est vraiment ce groupe-là qui m'a inspiré. C'est Migos qui t'a donné envie de te lancer dans la musique ou il y a eu d'autres artistes avant? Parce qu'il me semble que t'étais à fond
surtout les rappeurs bruxellois, etc., ouais. Belges. Celui qui m'a fait aimer le rap, c'est mon grand cousin H, qui rappe, c'est un rappeur de Liège. Et c'est avec mes autres cousins, Santa. Et franchement, on a une famille de rappeurs et de footballeurs. Mais c'est vraiment H, mon grand cousin, qui m'a donné envie de rapper parce que je le voyais faire. Et tu sais, à l'époque, il vendait déjà des disques dans la rue et tout. Donc pour moi, c'était une resta, tu vois. Donc c'est lui qui m'a vraiment donné envie de rapper. Mais Migos m'a vraiment donné envie de faire carrière, tu vois. Vivre cette vie-là comme lui, tu vois. Michael Jackson, Remember the Time. Ouais, c'est un de son préféré en plus de Michael. Et vas-y, raconte à la meuf, ben, est-ce que tu te rappelles quand c'était vu la première fois, etc. et tout. T'es un gars romantique, toi? Ça dépend pour qui, hein. Et ça dépend comment, tu vois. Ça dépend, il y a tout type de romantisme, tu vois. Ouais, vas-y. Ouais. Dis-moi quel genre de romantique tu es, en général. Moi, je suis un romantique qui est maladroit un peu. Donc, tu vois, je peux faire un acte romantique pour moi, mais on va toujours me reprocher un truc. Ouais, mais t'aurais dû, ouais, mais j'aime pas ça, ouais, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai essayé, moi, je trouve que c'est romantique. Avec les erreurs, tu vois. T'as un petit exemple ou pas pour nous? Par exemple, une fois, j'avais fait un plat pour une meuf, mais vas-y, j'ai mis un truc où elle était allergique dedans, en fait. Mais toute l'année, elle me disait, ouais, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et le jour où j'ai voulu vraiment faire un plat, pour elle, ben, j'ai mis ça dedans. Oh merde. Du coup, mais ça a gâché. T'en as tellement parlé, du coup, toi, ça s'était resté en tête. Et... Ouais, donc du coup, la meuf, elle était confuse, elle savait pas si elle devait kiffer ou bien avoir le seum sur le fait que je j'entends pas ce qu'elle dit et tout. Mais moi, j'ai trouvé ça bien. Enfin, j'ai fait du mieux que je pouvais, quoi. T'as réussi à rattraper la sauce, au moins. Ouais, toujours, hein. Toujours, la soirée, elle est longue, donc il y a moyen de se rattraper. Je serai Lingala. Parce que pour moi, c'est la plus belle langue du monde. Il y a que des rimes, il y a plusieurs métaphores, c'est très direct. Et c'est très... Il y a un truc en Lingala, en fait. C'est très chaleureux. C'est important pour toi de mettre cette patte-là, cette patte congolaise. D'ailleurs, tu évoques... Tu vas plus loin, tu évoques aussi les diamants du Zaïr. Ouais, je te jure, faut les rendre, les diamants du Zaïr. C'est marrant reprendre. D'ailleurs que tu dis Zaïr et pas Congo. Bah oui, oui. On sait, franchement, l'histoire du Zaïr, du Congo, etc., c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que mes parents sont originaires de là-bas. Et nous aussi, on nous a toujours appris à savoir ce que c'était le Congo, l'histoire du Congo. Donc voilà, comme je suis ici ou en Belgique aussi, le Congo et la Belgique, c'est un lien particulier. Donc, obligé, il faut toujours essayer d'incorporer ça dans ma musique. Ouais. C'est important pour moi en tout cas. T'as déjà été au Congo? Non, justement, je devais aller cette année, mais on va voir avec le Covid si c'est possible, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu espères? Comment tu imagines le Congo? Je l'imagine comme un endroit chaleureux, rempli d'espoir et d'ambiance. Tu vois, les gens, peut-être ils ont pas beaucoup, mais ils vivent la vie. Des fois mieux que nous, moins stressés que nous. Et franchement, j'aimerais bien aller pour me ressourcer un peu, voir tu vois, ce qu'ils font, comment ils vivent, et je suis sûr que ça va m'inspirer des fois. Double R sur le capot, capu des capots, chauffe sous l'équipe type, il y avait rien sur le plat. Je joue à la play, je crois. Ouais, je suis un gamer, moi. Je suis super fort à FIFA. Ouais, je suis le rappeur le plus fort de FIFA en Belgique, je crois. Un rappeur qui croit qu'il est plus fort que moi à FIFA, il peut m'ajouter. C'est quoi ton PSN? Je vais te dire après, tu vas écrire dans le truc. Je défie tout rappeur ici à me défier sur FIFA, je suis plus fort. Moi, je suis une personne trop réaliste, je rêve pas, moi. Non, depuis que je fais de la musique, j'ai un rêve. Faire une tournée africaine. Ouais, j'aimerais bien voir comment les Africains... Enfin, je suis africain aussi, mais les Africains de là-bas, ils ressortent ma musique, en fait. Pas trop de plus de tête, les condamnés nous guettent. J'ai tous les bails sur moi. Il y a comme